Voilà, je vais la suite des aventures de Gwendoline. Oh merde, j'ai pas. J'ai pas pris mon périphérique de jeu. Je préviens, je suis barbouillé aujourd'hui. Je suis dans les vapes là, j'ai mal au bide et au reste. Aux muscles aussi. Pardon. Mais ça ne m'empêchera pas de vivre de grandes aventures. J'ai déjà plus mal au crâne après ma sieste, c'est déjà ça. Mais c'est pas la forme moi aujourd'hui, punaise. J'ai pas d'endroit où piéter. Tu parles, je sors de prison. Elle marche pépère. Ah, le marché va être fermé vu l'heure. Quelque chose me dit que je vais passer la nuit dans les égouts. Aller faire le ménage. Ça, c'est en français? Ah oui! Ah, le renard gris. Recherché pour vol, abus de confiance, contrefaçon, vol à la tire, usage de faux, cambriolage, complot en vue de commettre un vol, vol qualifié, fraude fiscale, diffamation, faux. Eh oh, il y a eu fraude deux fois là. Ah, il y a la fiscale et la fraude classique, eh ben dis donc. Perfidie et insolence. Oh! Eh ben dis donc. Description. Porte une cape grise qui dissimule son apparence, présumée de sexe masculin et colovien. Mesure entre 5 et 6 pieds, corpulence normale, couleur des yeux et des cheveux inconnus. Tout citoyen détenteur d'une information à son sujet devra prendre contact avec le capitaine de la garde. Hieronymus Lax, on se croirait dans la Rome antique. Shrek, on l'a retrouvé! Oh mon Dieu! Pourriez-vous me rendre service? Dis-moi. Hé, étranger! Vous n'auriez pas quelques pièces pour moi? Ce satin des gardes vient juste de me voler mes derniers centimes. Voici trois, j'en ai beaucoup. Kakatoche vous bénisse! Des rumeurs, mon garçon? Mon cousin a dit que tous les mendiants travaillent pour le renard gris. Ça fait froid dans le dos. Eh bien, qui est-il? Oh, c'est ce criminel recherché par les forces de l'ordre. C'est un maître voleur, non? J'ai entendu dire qu'il était dangereux. D'après mes informations. Les mendiants espionnent pour son compte. Eh bien. Suivez mon conseil. Ne vous approchez pas des gardes. Je vais essayer d'éviter de les côtoyer. Ah, oh là là. Ah, moins que je puisse m'offrir une nuit de sommeil. Qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? Parlez. J'ai rien à dire, moi je vais. Oui, vous aussi. Ouais.
offrir une chambre d'hôtel. Bonjour. Bonjour, Velus. Qu'y a-t-il ? Une nuit d'hôtel, s'il vous plaît. J'ai bien un lit de libre pour 20 pièces d'or la nuit. Désirez-vous la louer ? 20 pièces d'or ? Putain. Très bien. C'est à l'étage, la première porte sur votre gauche. Dormez bien. Ah oui, à 20 pièces d'or, j'espère que ma nuit va être impeccable. Quelque chose sur des rumeurs ? Tout le monde parle de l'assassinat, bien sûr. Tenez, tenez, voici mon exemplaire du messager au cheval noir. Allez, gardez-le. Quoi ? Oh là là. Allez, vendez des trucs. Un peu de nourriture et de boisson vous feront le plus grand bien. Yop. Là j'ai 25 pièces. Oh putain. Je suis ruiné. Ah, c'est ce que j'ai moi. Ah bah, je lui demanderai ça. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Putain, tu m'étonnes, Johnny. Ah oui, il faudra que j'essaye de faire de l'alchimie. Ah, sympa. Oh, vision nocturne. Ça m'aidera un jour, je le sais. Faut que je fasse attention au poids de mes affaires. Non, il achètera rien d'autre. J'aime faire affaire avec vous. Oui, c'est cool. À bientôt. Je vais déjà arrêter de leur demander des rumeurs. Oh, vous êtes nombreux, vous. Comment ça va? Ah bah, je suis tout ouïe de vous voir. C'est ici. Vous Salut. Salut, salut. Voilà. Il y en a du peuple. Bonjour. Oh là là. C'est bon à savoir. Que puis-je pour vous? Au revoir. Désolé, je suis crevé. Moi, je vais dormir. S'il y a quelqu'un demain matin au petit-déj, je ne dis pas. Mais moi, dodo. Oh, voilà Douillet. Ça va me changer de la prison. Merde, je sais plus ce qu'il a dit. Je crois qu'il a dit que c'était au fond. Les voisins. Ah bah c'est ce qu'il m'a donné. Ah merde, c'est pas la bonne chambre. Oh le con. Je me suis trompé. Ça apparaît en rouge, c'est que c'est pas la bonne. Difficile. Ah bah c'est celle-là alors. Ah oui. Ah oui, le lit est plus grand. Oh. Il y a déjà de quoi dîner. Miam. Oh. Une lettre. Pourquoi laisser des effets personnels dans toutes les chambres? C'est tellement étrange. Alors, il est 9h de l'après-midi. Mathématiche, à combien de temps voulez-vous vous reposer? Oh, je vais faire une nuit de 8h. Tant pis si je me réveille au petit matin. J'irai patater dans les égouts. Allez, dodo. Là, je me fais assassiner dans mon lit. 5h du mat, bah voilà, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Quoi? Oh, soupir de désolation. Alors, qu'est-ce ajouté alors que je dormais? La porte de la baie de Niben. Tain, ça me rappelle l'opus précédent, Morrowind, quand Dagoth-Ur, le grand antagoniste, hantait les rêves du protagoniste que du héros que nous étions. Le Neverarin. Oh là là. Mais là, c'est Oblivion, je découvre tout. Alors, la porte de la baie de Niben. Il paraît qu'une étrange porte est apparue sur une petite île de la baie du Niben. Il faudrait que je m'en renseigne au sujet. Oui, bon, on verra plus tard, c'est pas le moment. La. Ah, j'aime bien la tapisserie au mur. C'est stylé.
Boyoul, monsieur, il est très tôt. Aussi, vous êtes à la flèche. Qu'y a-t-il ? Ah, je veux bavarder. Hieronymus Lex. C'est ce capitaine de la garde impériale qui passe son temps à courir après le renard gris et la guilde des voleurs. Il court après des ombres, à mon avis. Je mettrai ma main à couper que la guilde des voleurs et le renard gris n'existent pas. Je t'avouerai que je n'en sais rien. Ah, il va falloir que je vais le découvrir quand je vais aller dans les égouts. Ah non, les rumeurs, j'en ai marre, il y en a trop. Prenez soin de vous. Oui, de votre esprit. Oh, c'est brouillard. La nuit n'est pas levée. Hein. On voit qu'on n'est même pas à l'aube. Oh là là. C'est qui, la statue ? Il n'y a pas de descriptif ? C'est le prince de Lu, c'est lui qui donne des biscuits. De bon matin, oui mon petit déjeuner. Ah oh, mon dieu. Oh là là, bijouterie diamant rouge. Interroge. Et là-bas, une enseigne. Quelle est-elle ? Je vais peut-être marcher sur les trottoirs. Je vais marcher sur la voie. De quoi ? L'ingrédient principal. Oui, non, il est fermé. Ah, il n'y a pas une trappe donnant sur les égouts ou un truc de genre ? Oh, il doit y avoir. D'arrière-cour. Que vois-je ? Ah oui, j'avais dit que j'essaierais la chimie. Yes. C'est bon ça. Tiens, tiens. Il n'y a pas de trappe pour aller dans les égouts. M'étonne. Ah ouais, là ça m'étonne. Mais je suis déception. Ah, oh, j'ai mon bite qui me travaille, c'est gênant. J'espère que je vais pas être obligé de me précipiter aux toilettes. Ah, je suis barbouillé aujourd'hui. Mais d'ailleurs, mon encombrement, quel est-il ? Ah, je suis déjà pas mal... Je suis déjà pas mal encombré. Hein. Mais elle est mignonne comme tout. Mais elle est mimi comme tout, la Kundoline. Ah oui, j'essaierai bien. Alors ! Quoi qu'étais-je fait ? Évasion de prison. Combinez les ingrédients avec des effets similaires pour des potions poison. Votre talent d'alchimie en donnera encore plus de puissance. Utilisez les ustensiles supplémentaires pour améliorer la puissance de vos potions. Ah oui, je crois qu'il y a 4 trucs pour faire des potions de fou furieux. C'est ça, ouais, il y a 4 cases. Il y a le mortier, le pilon. Et les 3 autres, je sais plus ce que c'est. Il y a un distillateur. Et les 2 autres, je sais plus ce que c'est. Il faut absolument que je découvre quelque chose avec la viande de rat. Ah, la chair de mort. Non, avec des tomates, ça doit faire un bon plat. Oh, détection de vie, 22 pieds pour 80... Oh,
Je suis agréablement surpris par cette découverte. Réduction de fatigue. Ah, c'est intéressant. Là, j'ai plus rien avec la... Pavillon de Dura. Non, j'ai rien. Mess. Attends, il faut que je trouve les points communs. Oh, regain de magie, ça. Oh, il y a regain de santé. Ah, j'ai réduction de santé. Ah, laitue et morceau de fromage, c'est le regain de fatigue. En même temps, laitue et fromage, ça fait une bonne salade. Oh, les trois là avec la pomme. Oh! Mais vous êtes sérieux, les gens? Dégâts, chance, regain de fatigue. 5 sur 22. Si j'en retire, il se passe quoi? Ah, les attributs restent les mêmes. Si je mets la pomme, moi, il y a un truc. Putain, c'est trop bizarre, ça. Pourquoi j'ai créé un truc? Oh. Réduction de santé. Non, on va peut-être pas la créer, celle-là. Eh, c'est déjà bien. Mais rien que le fait d'aller se promener et de cueillir des trucs... pour la magie, c'est cool. Qu'y a-t-il, citoyen? Mais rien, je cherche des ingrédients pour faire des potions. Tiens, qui êtes-vous? Une pièce me suffit pour manger toute la journée. Eh ben voilà, une pièce, madame. J'aurais pas dû mendier, c'est mes plaisirs. Merci, chère madame. Mais des rumeurs? On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil. C'est comme cela qu'elle recrute ses nouveaux membres. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Je vais même pas lui demander pour le renard gris, ça m'énerve. Stendhal vous bénisse. Oui, merci. Toi aussi, d'ailleurs. Je peux peut-être en faire un ingrédient de potion. J'espère qu'il n'y a rien dans l'eau, je ne vais pas me faire bouffer. Oh, des lotus sacrés. Oh, j'ai l'intestin qui me travaille. Excusez-moi. Vous n'avez rien entendu. Oups. Alors, si je vais dans l'eau, c'est parce que... J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Ah, je nage. Ma touche de sauvegarde, je sais plus. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bonne mémoire. Ah, en fait, je peux pas. Mais si, je veux dire, je peux me baisser, je peux m'agenouiller. Si, elle nage, Gwendoline. Mon dieu, elle fait peur comme ça. Au secours. Ça fait peur. En plus, les eaux doivent être dégueulasses. Parce qu'avec le ruissellement, je te dis pas les merdes qu'il y a au sol.
Ah, j'ai vu sous l'eau. J'ai vu sous l'eau, c'était pas beau. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ? On raconte que les syndicats de sorciers ont mené un boycott des marchandises impériales sur les terres des Altmer. Bonjour, les Altmer ont des sorciers. Je m'appelle Jaïr. Je suis un tire-poche. Un pickpocket, quoi. Mais détendez-vous. Vous ne risquez rien avec moi. Vous êtes du genre à vous énerver facilement. Je ne pratique pas ce genre de client. C'est trop risqué. Eh bien, c'est impérial. Attention aux pickpockets en ville. Vous seriez surpris d'apprendre combien d'habitants du quartier portuaire ont décidé de faire carrière dans cette spécialité. Sérieux ? J'aime bien ta voix. Adieu. À la revoyure. Au revoir. Je vais éviter de te tourner le dos. C'est moche. Oh, oh, oh. Moi qui parlais de trappe, c'est quoi ça? Oh la vache, faut être mince hein, pour se dissimuler là-dedans. Bonjour. Allez, à moi l'aventure. Les nigous. Les nigous. On voit que Puik. Ah, ils sont déjà sur un bandit. Ils voient rien. Putain, j'aurais dû prendre des cours de... Oh, cette violence. Je crois que je lui ai foutu un coup d'épée en plein visage. Waouh, faut que j'apprenne le sort lumière, moi. Sinon, ça va être un cauchemar. Je vais me mettre près du feu de camp. Ah, je peux dormir dans les égouts. C'est pas propre, mais c'est gratos. Hey, mes premiers petits larcins. Oui, qui est là? Un chat. Miaou. Ça me rappelle une blague, ça. Oh non. Ça me rappelle la blague, faut que je la fasse. Pour ceux qui regarderont la vidéo. C'est deux mecs qui s'évadent d'une prison. Et dans l'eau, il y a un Italien et il y a un Belge. L'Italien explique son plan d'évasion. Écoute, on va se faire la belle demain matin. On va pouvoir dévisser tel barreau de cellule, se barrer sur les toits, dans de la muraille. Il y a juste une difficulté, c'est le grand mur de la prison. Il va falloir faire quand même un saut qui fait deux fois notre taille. Mais il y a suffisamment de végétation pour pas se casser un os. Donc, une fois qu'on aura atterri, on pourra se faire la belle et se séparer et vivre nos vies respectives. Et le Belge dit ok, ok, ok. Arrive le lendemain, ils font leur larcin, leur évasion. Et arrivé donc au coup de la dernière grande muraille de la prison, il y a l'Italien qui saute. Et puis, manque de bol, il se réceptionne comme bien dans les buissons, mais il fait un vacarme qui alerte les vigiles. Et puis les vigiles qui commencent à scruter l'extérieur de la prison, le mur extérieur. Et puis, vous vérifiez s'il n'y a pas de mouvement, si ça ne bouge pas. Alors évidemment, le fugitif italien est inerte. Et puis, il se met à miauler. Alors en entendant miaou, l'imitation était bonne. Et les vigiles disent, oh, c'est un chat qui passait par là, c'est bon, on peut reprendre notre ronde habituelle, c'est rien. C'est totalement anecdotique. Et puis, dans la mythe qui suit, le Belge tente sa chance. Et pareil, il a une réception correcte, mais sans plus, et il fait tout autant de vacarme. Là, les vigies commencent à se poser la question de dire « Oula, ça fait quand même beaucoup en peu de temps, on va inspecter d'un peu plus près tout ça. » Et là, le Belge, le con, qui dit « Hé, c'est un chat !» Qu'est-ce que c'est ? Elle est nulle. Bon, voilà. Ah là 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 là. Allez que je la fasse comme on dit.
Tiens, j'ai gagné le droit de sauvegarder. Ah. Mais on n'y voit que lui. D'ailleurs, je sais même pas où est la suite. Je vois des toiles d'araignée devant moi, je sais pas si c'est le passage. Voilà comment il a fini encastré dans le mur, le mec. Un pantalon de cuir lacé. Oh. Ah, bottes de fourrure. Ah, pour le ratio poids-monnaie, c'est pas rien. Je vais le déboîter, le vilain. Attends, comment je peux faire de la... Mais des dégâts de feu, d'accord, mais ça fait pas de la lumière. Oh, je peux invoquer des squelettes. Déconne pas. Non, j'ai la puissance pour. Situation désespérée ou quand j'aurai généré une diversion, il faudra que j'y pense. Actif. Ah oui. Magie appauvrie. Qu'est-ce qu'il raconte? Yep. Ah, efficacité du sort 80% pour ce qui est du soin. Faut que je m'améliore encore. Ah, si je fais invocation squelette, ça fait... Ah non. Ah, c'est une meilleure générale. Oh là là. Je vais déjà faire ça. Je sais plus comment je fais. Voilà. Ah, j'avais pas vu les bouteilles de vin. Ah, c'est l'hydromel en plus. Ah, c'est moi qui fais du bruit sur la... Putain, j'étais en train de flipper. Je me disais, mais c'est quoi ces bruits? Et le tonneau... Ah non, quoi, fouiller les ventrées de tonneau. Je comprends pas, c'est tout? C'est un cul-de-sac? Attends, j'ai une carte des lieux ou pas? Mais... Ah, la porte, elle est là. Putain, je l'ai même pas vue. Oh, je suis passé devant, j'ai rien vu. Attends, mais j'ai des torches, moi, normalement, non? Ah! J'ai l'épée en main, ça va pas. Ah, il faut que j'ai plus l'épée en main. Voilà, là j'y vois quelque chose. Vindu. Ah bah je vois même son arme. Bah, c'est bien, je vais apprendre à jouer avec ça. C'est limite si je pourrais pas embarquer son bouclier de fourrure. Parce que deux de masse, ouais, ça vaut du pognon. À distance, merde. Il doit y avoir un levier quelque part avec une chaîne. Merde. Je suis peut-être du mauvais côté de la porte. J'irai pas plus loin. Je suis pas du bon côté. C'est la retraite au flambeau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à déclarer.
hôtel avez-vous besoin de messager? Ouais, non, mais ce jeu, c'est délirant, ce jeu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en habit noble. Vous êtes commerçant? Bonjour. Bah, bonjour. Mon Dieu, vous avez des yeux vampiresques. Oulun Atram. Des Atram de Kragenmoor. J'ai fait fortune dans le commerce du Flynn. Et maintenant, je vis de ma fortune dans la cité. Oh, bravo. Des rumeurs? Je crois savoir que Dovin Arène continue d'enseigner l'art de l'altération de temps en temps. Ah, merci. Bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt. Ah. C'est quoi? Ah, bouclier de pied mûr. Ah bah, il va peut-être acheter ce que j'ai sur moi. Bouclier de pierre mûre. Nous sommes spécialistes en bouclier. Viator Axius pour vous servir. Bien le bonjour. Que je veux... Ah, je veux bien réparer, ouais, aussi. Attends, je vais déjà voir... Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Bah, et moi-même. Ah, tu achèterais des armes aussi? Oh, qu'est-ce que je fais? Je garde le bâton gobelin ou je le vends? Parce qu'il pèse quand même 10. Et il n'y a que 16 charges de 5 petits dégâts de foudre. Surtout que moi, les dégâts distants, je peux les faire à la main avec des boules de feu. Donc autant dire que je vais le vendre. Ouais, c'est pas un super... Oh mon Dieu, je suis en train de m'apercevoir que je me suis ouvert le crâne. Pardon, ça n'a rien à voir avec le jeu, mais... Oh, je me suis complètement entamé le crâne. Je me suis même pas aperçu. Peut-être pour ça que je me sens pas bien. Je suis peut-être blessé hier sans le savoir. Oh, il faudra que je regarde ça de plus près. Merde. Oui, je vais le vendre. Ouais, excellente transaction. Oui. Non, l'épée, pour le moment, je la garde. Alors. Ah. Les bottes qui font la même protection, mais qui sont plus légères. Ah bah, je vais peut-être vendre les bottes de cuir grossier. Ouais, je mettrai les... Pardon de me déchausser devant vous, monsieur. Ah là là, ouais. Celui de cuir est meilleur. Elle pèse lourd, mais elle protège pas tant que ça finalement. Ouais, c'est bizarre. Oh, le bouclier de fer, il pèse lourd, le salopard. Oh, le bouclier en acier. Oh là là. Tour des neufs. Oh, mon Dieu. Waouh. Effet permanent, waouh, waouh, trop bien ce bouclier, la classe. Merde, j'en fais tomber mon périphérique de jeu tellement que je suis perturbé, on va dire. J'aime quand mes clients sont contents. Oh la vache, le texte était en anglais, mais la voix française. Ah, réparation. Je peux réparer tout ce que vous casserez. Ça me coûtera 9 pièces. Oui. Merci.
Vous aussi. Voilà. Vous aussi. You too. Alors, je crois qu'elle est pieds nus, notre miss. Putain, j'arrive même plus à dézoomer, laisse tomber. Voilà. Vaut mieux peut-être pas que je me promène avec l'amulette des rois autour du cou. Je vais peut-être pas l'exhiber, je vais avoir des soucis. Le lotus, on peut en faire quelque chose, la graine de lotus. Ah ah. Réduction de santé, non mais c'est complètement con. Oh, c'est nul. Oh, stylé, mais elle est pas mignonne. Oh, regardez-moi ce canne. Auprès de ma blonde, dira diludou. Oula, ils se font du rhum dedans là. Oh, divine élégance. Aïe 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 aïe. J'ai pas les moyens de me l'affecter. Je reviendrai d'ici une quinzaine de jours quand j'aurai fait fortune dans la baston. Oh, grand magasin mystique, c'est pour moi ça. Oh, vous êtes deux. Bienvenue au grand magasin mystique. Kalindil a tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Regardez et achetez, rien de plus simple. Oh la vache, il a la crème de teint du jour, lumière de soleil. Il luit comme une statue en or, le monsieur. Des rumeurs ? Beaucoup de mages ne jurent que par les bâtons de Rindir. C'est pas vrai, oh mon dieu. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Ouah ! Tu vends du rêve ? Oh là là ! Oh là là ! Ouah ! Si t'apprends des sorts, je vais apprendre la lumière. Ça me changera des torches. Oh là là ! Oh là là ! Niveau spirituel actuel, aucun. Ah bon ? Ah oui, il y a pas. Ah oui, il faut faire la capture d'âme. Et moi, je peux vendre quoi ? Mmh. Ah, les dégâts de feu sur... ouais, on... Ouais. Faut pas dire que je roule sur la fortune. Oh, je sais pas, je pourrais peut-être en avoir besoin à Caméléon. Non, je vais peut-être pas vendre. Encore que éclair. Je fais de la boule de feu. Celui-là, à la limite, je peux le vendre. C'est une bonne affaire. Ouais. Merci. Vous êtes ici chez vous. Et ça, c'est puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Ah, je peux apprendre les sorts, ouais. Oh, j'ai soif. Oh là là. Ah, lumière. Lumière 20 pieds sur soi. Oh, que je vais la prendre le sort là.
Oh que oui. Oh là là, il y a des trucs. Invocation de zombies. Oh la vache. J'aime quand mes clients sont contents. Oui, oui, oui. Des choses sur la cité. Personne ne peut découvrir la cité pour vous. Vous devez sortir, marcher, toucher, voir, parler à tous ceux que vous rencontrez. Tu dis vrai, mon garçon, tu dis vrai. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, merci, je suis très content de m'y aller. Bon, bah, je crois qu'on peut dire que je suis déjà ruiné. Tranché, quoi. Tranché, cogne. Ah, c'est les armes. Tranché, cogne. Hack and slash. Bah alors, c'est mal rangé, ça tombe quand on claque la porte. Hurbule, gros Hercule, sait que vous avez besoin de haches et d'armes contondantes. De grandes armes. Alors il les fabrique et les vend ici. Frappe et cogne. La boutique d'armes 100% orc. De grandes armes pour de grands héros. Il rigole, lui. J'offre les meilleurs produits de tous Cyrodiil au prix les plus compétitifs. Bah, j'ai cru un instant qu'il venait de perdre toute virilité avec un accent pareil. Attends, moi je peux peut-être lui vendre des trucs. Ah, finalement non. Non, mais je suis fauché. Faut pas que je me voile la face, c'est bon, j'ai... Voilà, il faut que je joue des flèches là, parce que j'en ai beaucoup des flèches de fer. Punaise. Bref, attends, je suis en train de me laisser. Ah ouais, mais c'est à deux mains les haches. Ah non! Il y a une machine, une main, dis donc. Ah, pas mal. Oh la vache. Ah, la masse d'armes. Ah, j'ai pas les moyens, mais elle me plairait, la masse d'armes. Oh non, elle est lourde, eh. Oh, 19 unités de poids. Non, mais vous êtes fous. Ah, à la limite, je pourrais m'acheter des gants. Ah, oh, je vais vite en trouver sur la dépouille de mes futures victimes, là. Bon, c'était intéressant, mais... Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. Tu m'étonnes. Laissez-moi tranquille. Oh, et oh, tout ça parce que j'ai rien acheté, l'autre il me fait la tronche. La cave dorée. La meilleure défense. C'est l'attaque, la meilleure défense. Dans un autre quartier, je vais trouver une autre bouche d'égout. Nos trois frères, voilà les magasins. Oula! Oui, il y a un petit souci de syntaxe. Article comme neuf, ouais, d'accord. J'allais voir par curiosité. N'hésitez pas à fouiner. C'est bon de voir un nouvel acheteur. J'avais peur de ne plus faire d'affaires depuis l'ouverture de Toronir. Quoi ? J'ai l'impression que vous êtes exactement le genre de personne que nous cherchons. Vous pourriez peut-être nous aider à régler un problème que nous avons au quartier du marché. Allez, commençons. Dites-moi tout. Je suis la présidente de la société des marchands concernés.
Nous avons formé ce groupe il y a un moment déjà, pour maintenir un équilibre économique équitable en ville. Toutes les boutiques n'en sont pas membres, mais nous essayons progressivement de les convaincre d'adhérer. Tout allait bien avant que Toronir ouvre sa boutique. Il vend toutes sortes de marchandises et casse les prix de manière incroyable. Il ne vend pas exactement les mêmes articles que nous, mais cela reste un problème. Les acheteurs ont tendance à vouloir dépenser leur argent chez lui, et c'est un manque à gagner pour nous. Ça va si mal que certains d'entre nous risquent de devoir mettre la clé sous la porte. Ils refusent catégoriquement de rejoindre la société, ou même de discuter du problème. Nous sommes persuadés qu'ils trament quelque chose. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'inspecter son établissement et de découvrir d'où il tire ses marchandises. Trouvez la preuve de ses méfaits et tenez-nous au courant. Nous ne pouvons pas nous en charger nous-mêmes. Il nous reconnaîtrait forcément. S'il venait à être traduit en justice, cela vous rapporterait une coquette somme. Ah. Aimé. Que puis-je vous offrir ? Oh. Oh la vache. Elle fait des dégâts, la lame, là. Oh. Inventaire, comment ça ? Ces marchandises doivent être volées, sans aucun doute. Pour certains articles, ces prix de vente sont inférieurs au coût de fabrication. Allez voir vous-même. Effectivement. Merci encore de votre aide. Nous ne pouvions faire appel qu'à vous. Il n'y a pas accès aux égouts depuis les tours de garde. C'est un échafaud ou je me trompe? Non, c'est trop bien d'aller, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trappe pour rejoindre les égouts. Ah bah je suis dans le quartier d'à côté, dis donc. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vachement agité. Il doit s'exercer au tir ou à la lutte, je sais pas. Ah oui, il y a un entraînement.
Ah, ça va être le début de l'aventure. Ah, mais c'est un crabe. Il m'a même pas vu. Top discrétion, bonjour le cri dans les égouts. Pas me demander si je peux pas me le faire à l'arc comme il est coincé. Vas-y voir. Stylé. Au moins j'apprends voilà à tirer à l'arc. Je peux récupérer mes flèches. Ah, c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Merde.
l'impression de visiter les catacombes de Paris, ça fait flipper. Wow. Je sais pas où ça mène, mais ça mène quelque part le grand tunnel. Oh là là. Ah, c'est l'extérieur. Ah, comme mon évasion de la prison impériale, dis donc. Ah ouais, le front de mer, dis donc. Je peux me barrer. Intéressant. Sale sang. Ah non. Attends, je regarde Atoll Larigo parce que. La salle sanglante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est habité. T'as la taille des arches. Oh, il y a un feu de camp. Venez à moi, chère fraîche. Est-ce que vous ne voulez pas mourir? Eh bien, quel est le problème? Vous fatiguez? Je soupçonne l'antre d'un de vampire. Bon, on peut y aller, je vais y aller. Bien, le bouclier fait son effet. C'est terminé. Du oh sang. Merde. C'est de votre sang que j'ai besoin.
Ah, je crois que j'ai eu. Punaise. Ah, vampire. J'avais vu juste. Ah, tenue bordeaux et noire, stylé. Voleur vampire. Ok. Génial, un squelette. Oh merde, il tire là. Il va m'allumer, ce con. Bon, je vais m'accorder une petite pause et j'en prendrai après. Ah bah ça commence fort. Oh! Putain, les boules, la torche qui a cessé d'émettre. Vas-y voir que je fasse le sort de lumière. C'est tout? Oh, ça éclaire pas beaucoup, je trouve. Quoi? Oh non, j'ai un squelette qui me pourra pas. Ouais, pour la magie, il faudra attendre. Hop, ouais, je reprendrai un petit peu plus tard. Je me ferai une petite pause. Petite pause s'impose.